Bonsoir. Donc vous l'aurez compris, je me jette à l'eau sur un sujet qui n'est pas le mien, mais dans le cadre du partenariat et dans le cadre de ce forum, je tenais beaucoup à ce que le musée d'Orsay, à travers cette intervention, fasse ce geste de solidarité et d'amitié à l'égard de nos collègues ukrainiens. Donc c'est avec mille précautions que je prends la parole aujourd'hui et j'ai finalement choisi ce sujet, ce parcours assez fulgurant, intéressant de Marie Bashkirtseff pour deux raisons. La première, c'est que nous avons dans les collections du musée d'Orsay un nombre important d'œuvres, je vais y revenir, en tout cas important à l'échelle de la France, d'œuvres de Marie Bashkirtseff, donc qui est une artiste de la seconde moitié du XIXe siècle, qui est née en Ukraine, et je dois dire que à la fois l'appel à la naissance de ce forum culturel et puis la situation en Ukraine a été l'occasion pour le musée d'Orsay comme pour d'autres institutions publiques de faire un double constat, celui du déficit de connaissances, et donc cette conférence est aussi très, très exploratoire. Je vais poser des questions plus qu'apporter des réponses ou faire l'état des connaissances. Donc déficit de connaissances, et puis il faut bien le dire, mauvais référencement aussi parfois de bien des artistes qui sont nés dans l'Ukraine actuelle et qui n'étaient pas forcément catalogués comme tels dans nos bases de données. Donc on a lancé un travail de vérification pour mieux refléter la situation artistique de l'Ukraine au XIXe siècle, qui est à cette époque un partie prenante de l'Empire russe. J'y reviendrai rapidement au cours de cette conférence. Donc Marie Bashkirtseff n'est pas la seule artiste d'origine ukrainienne dans nos collections. Je vous montre quelques exemples. Ben voilà. Voilà quelques exemples d'artistes qui sont dans les collections du musée d'Orsay. Certains sont très connus, comme Répine, qui a fait l'objet d'une rétrospective récemment au Petit Palais, ou Pasternak, et d'autres sont moins célèbres aujourd'hui. C'est Marie Bashkirtseff et l'artiste donc originaire d'Ukraine, dont nous conservons le plus grand nombre d'œuvres. Et parmi donc ce groupe, pardon, je voulais vous montrer d'autres images. Voilà, je vous montre les œuvres de Marie Bashkirtseff qui sont dans nos collections. Donc une sculpture, un pastel, un autre pastel sont essentiellement des œuvres sur papier. Et je reviendrai sur l'autoportrait un petit peu plus tard. Et donc parmi ses œuvres figure ce tableau, un meeting, que vous connaissez peut-être, qui, au-delà du nom de l'artiste, est une image, si je puis dire, très, très populaire au musée d'Orsay. Et c'est un tableau, certainement l'un de ses plus célèbres, qui est présenté en permanence dans nos salles naturalistes au niveau médian du musée d'Orsay. C'est une œuvre assez célèbre. Comment ces œuvres sont-elles entrées dans les collections? J'y reviendrai un peu plus en détail, mais elles proviennent pour l'essentiel du don de la famille de l'artiste et de sa mère après la mort de Marie Bashkirtseff. Un autre fonds important en France, c'est celui du musée des Beaux-Arts de Nice, du musée Chéré, avec une dizaine de peintures qui sont conservées de l'artiste. Ce lien avec l'Ukraine, donc ça va être l'objet d'une partie de la conférence, que de le mettre en valeur, ou du moins de s'interroger, de le documenter. Mais l'intention n'est pas ici de réduire, si je puis dire, à une identité nationale, une artiste dont le parcours a été avant tout très, très cosmopolite. Et ce terme de citoyenne pourrait être aussi celui de citoyenne du monde, comme on le dit
aujourd'hui. Et je m'appuie aussi pour prendre cette précaution sur une interview qui a été donnée assez récemment au mois de mars par Nicolas Liucci-Goudnikov, donc qui est responsable de la bibliothèque Kandinsky au Musée national d'art moderne et qui est certainement l'un des très rares scientifiques français à avoir cherché à développer une collection d'art ukrainien en France au Centre Pompidou. Je crois qu'il a réuni maintenant dans le cadre de ce travail qui datait de plusieurs années, une cinquantaine d'œuvres d'artistes ukrainiens. Et il soulignait à la fois le caractère très international des avant-gardes ukrainiennes au XXe et au XXIe siècle, mais aussi la spécificité et la richesse de la scène artistique ukrainienne actuelle. Donc dans le cadre de Marie Bachtchev, on retrouve ce double phénomène, en fait, à la fois d'une forme d'ancrage dans sa région, qui n'est pas un pays à l'époque d'origine, et puis cette articulation avec une très forte internationalisation du contexte artistique dans lequel elle évolue. Et on peut dire qu'elle est elle-même une forme d'incarnation de ce cosmopolitisme européen, à la fois familial, personnel et artistique, qui caractérise une partie du parcours des créateurs en Europe et en France à la fin du XIXe siècle. Paris se vit à ce moment-là, comme vous le savez, et se pense et se proclame comme la capitale internationale des arts. Et cette autoproclamation, si je puis dire, d'un rôle de capitale prend plusieurs formes. Auquel donc Marie Bachtchev va adhérer. Première façon de se penser comme une capitale internationale des arts et de favoriser cette internationalisation pour Paris, c'est la multiplication et la création d'ateliers pour que les étrangers viennent s'y former. Et effectivement, à la fin du XIXe siècle, c'est par centaines, voire par milliers, que l'on compte les étudiants venus de partout en Europe et des États-Unis passer par Paris pour se former, se constituent des communautés artistiques qui vivent d'ailleurs parfois en vase clos. Donc ce phénomène a été bien étudié pour les étudiants américains, pour les étudiants suisses, sur lesquels moi je m'étais un petit peu penchée. Les Suisses reconstituaient même les différences linguistiques au sein de la Suisse. Il y avait plutôt le clan des Suisses alémaniques, des Suisses romands qui se reconstituaient à Paris. Et tous donc venaient, enfin beaucoup venaient à Paris, à Munich et à Paris pour se former. Donc les structures de formation, les ateliers, en particulier donc les ateliers privés à cette époque, puisque l'école des Beaux-Arts est inaccessible aux étrangers, se développe à la faveur donc et attire donc ces étudiants étrangers. La façon même de pouvoir construire sa carrière artistique est ouverte aussi aux artistes étrangers, et notamment à partir des années 1880, quand se multiplient à la fois les salons, les expositions indépendantes et les galeries, le marché de l'art et les galeries d'art privé. D'un point de vue plus institutionnel, je dirais que se développe aussi une politique d'achat d'artistes étrangers à partir des années 1870, et qui là est assez propre à la France. Donc au musée du Luxembourg en particulier, qui est alors depuis donc qui est créé en 1818 et qui est le musée, le sorte de Centre Pompidou de l'époque, hein, le musée des artistes vivants, et qui, d'un musée de l'école française, comme le sont la plupart des musées d'art contemporain qui se créent au XIXe siècle, c'est-à-dire des musées qui doivent refléter la richesse d'une école nationale. Donc de ce musée d'école française devient en quelque sorte un musée du rayonnement aussi de la France sur les arts. Et donc dans ce cadre, le conservateur directeur du musée du Luxembourg à partir de 1892, Léonce Bénédite, va développer une politique d'achat, d'acquisition de ce qu'on appelle alors les écoles étrangères, très très actives, à tel point que
sera ensuite ouverte une annexe du musée du Luxembourg au Jeu de Paume, qui sera consacrée donc à ces écoles étrangères, donc à partir de 1922. Comme il a été montré dans des recherches en particulier américaines, et ce que révèle évidemment l'histoire des collections, et Orsay est en partie un héritier du musée du Luxembourg, ces achats reflètent effectivement une volonté d'internationalisation et de prise en compte de foyers artistiques en dehors de cette centralité autoproclamée de Paris. Mais finalement, ces achats, on le voit, concernent essentiellement des artistes, des œuvres d'artistes étrangers qui se sont formés ou qui ont travaillé en France ou qui ont exposé en France. Et donc cette internationalisation, elle est aussi, elle est très très liée à cette notion de rayonnement de l'art français. Et finalement, des artistes étrangers peuvent se retrouver sous cette bannière des artistes français, non pas tant en raison de leur nationalité, mais parce qu'ils se sont formés, ont travaillé ou ont effectué leur carrière en France. Et on retrouve justement cette forme d'ambiguïté, si je puis dire, dans le cas de Marie Bashkirtseff. Je vous montre ici ce portrait très, très intéressant, intitulé La Parisienne, qui est une œuvre de 1882, qui est une œuvre qui fait partie des collections du musée du Petit Palais, donc pas des collections nationales, pas les anciennes collections du musée du Luxembourg, qui est exposée au Salon des artistes français, même si l'artiste ne l'est pas, et qui, d'après mes recherches, même si ce n'est pas indiqué sur la base du Petit Palais, a été inclus dans l'exposition centenale de l'art français en 1889, donc une exposition qui fait un bilan de l'art français à l'occasion de l'exposition universelle. Et donc on retrouve cette idée que finalement l'art français, c'est peut-être aussi l'art produit en France, et cette tension donc entre origine, entre identité nationale et puis cette volonté d'ouverture. Et la mère de Marie Bashkirtseff, qui donne ce portrait d'Irma, la Parisienne, au musée du Petit Palais en 1902, au moment où le Petit Palais donc a décidé aussi de s'affirmer comme un musée d'art moderne et ouvre ses portes. La mère de Marie Bashkirtseff écrit donc au conservateur de l'époque: « Je suis sûre que vous voudrez honorer la mémoire de Mademoiselle Bashkirtseff, russe de naissance, française et parisienne de cœur et d'éducation, en acceptant dans votre nouveau musée un de ses tableaux. » Donc ça, c'était la raison liée aux collections. L'autre raison qui m'a donc incitée à surmonter cette non-spécialisation et à me lancer dans cette conférence, elle est liée cette fois à mon domaine de spécialité. Et en particulier, donc moi j'ai eu l'occasion de croiser Marie Bashkirtseff au cours de mon travail, de mes travaux sur une autre femme peintre qui lui est contemporaine, Berthe Morisot. Cette comparaison entre les deux artistes et surtout la façon dont elles pensaient leur statut de femme artiste dans des mondes de l'art essentiellement masculins m'a toujours intéressée. Je dois dire que Berthe Morisot avait une piètre idée de Marie Bashkirtseff. En revanche, je ne sais pas ce que Marie Bashkirtseff pensait de Berthe Morisot. Je ne suis même pas sûre qu'elle ait vraiment connu son œuvre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'elles sont quasi contemporaine. Donc Marie Bashkirtseff est née en 1858, elle est morte en 1884, hein, donc c'est vraiment une carrière très très courte. Berthe Morisot est née en 1841, morte en 1895, et Bashkirtseff commence sa carrière d'artiste au milieu des années 1870, en 1877, alors que Berthe Morisot a déjà commencé à exposer à partir des années 1860. Toutes les deux ont une carrière assez courte, hein, puisque Berthe Morisot est morte à 54 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir les choix de carrière très, très opposés qu'elles font l'une et l'autre, et on reviendra sur cette question du féminisme et de la place des femmes dans le monde de l'art qui est
un des axes importants, à mon avis, pour comprendre ou pour mieux connaître Marie Bachkessev. Alors, pour Marie Bachkessev, on le verra, c'est vraiment l'intégration dans ce système des beaux-arts, hein, qui, comme vous l'avez vu, assure à la fois, enfin, garantit une forme de parcours à des artistes français, mais aussi un appel d'air, hein, pour des étrangers qui ont le sentiment de s'intégrer comme ça dans un cursus, si je puis dire, qui peut finir par payer, puisqu'il y a des étapes à respecter, hein, le salon, des achats par l'État, etc. Berthe Morisot, comme vous le savez sans doute, donc, a été un des membres fondateurs, une des premières participantes à la première exposition impressionniste de 1874, et elle va finalement construire sa carrière sur sur deux piliers, les expositions indépendantes, c'est-à-dire les expositions impressionnistes qui sont organisées jusqu'en 1886 et qui ensuite se perpétuent sous une autre forme, notamment à l'initiative donc des galeries et du marché privé, qui va être un autre pilier sur lequel Berthe Morisot va chercher à s'appuyer, même si on aura l'occasion d'en reparler. Il est toujours difficile pour une femme d'être mêlée à cette question du marché, hein, et du travail rétribué et de la professionnalisation en matière de création artistique. Et elle ne reviendra jamais au circuit officiel. Donc on a un choix plutôt de la rupture et de l'indépendance chez Morisot qui est différent chez Bachkessev, qui ne s'en écartera qu'à la faveur, à la toute fin de sa vie, de son engagement féministe, et qui est un engagement qui deviendra public. J'en reparlerai en fin de conférence. Et c'est là que la comparaison devient, à mon avis, passionnante. On a d'un côté chez Berthe Morisot une radicalité esthétique, mais un certain silence, une certaine discrétion sur les obstacles qui étaient rencontrés par les femmes qui veulent devenir des artistes professionnels, même si les lettres, quelques parties des journaux de Berthe Morisot montrent qu'elle était pleinement consciente et parfois pleinement confrontée à l'adversité et au sentiment d'infériorité qui était parfois suscité par le milieu artistique dans lequel une femme qui voulait être artiste professionnelle était confrontée. On retrouve chez les deux femmes aussi cette volonté d'échapper en partie à un déterminisme familial et cette réflexion sur le conflit entre la maternité, le mariage et la création. Marie Bachkessev, écrivant en septembre 1878, « Je voudrais être homme. Je sais que je ne pourrais devenir quelqu'un, mais avec des jupes, où voulez-vous qu'on aille? Le mariage est la seule carrière des femmes. » Et pour Berthe Morisot, ce sera aussi au début des années 1870, toujours une forme de dilemme. Elle se marie très tard avec le frère d'Édouard Manet, avec Eugène Manet. Elle a 30 ans quand elle se marie, et elle subit vraiment la pression familiale, et elle retarde cet âge du mariage pour justement ne pas être confrontée à ce qui arrivait souvent pour une femme, c'est-à-dire que le mariage scellait en général la fin des ambitions artistiques et la fin d'une carrière artistique. C'est ce qui est arrivé à la sœur de Berthe Morisot, avec laquelle elle avait fait ses débuts, toutes les deux avaient fait leurs débuts au salon au milieu des années 1860. Et lorsque sa sœur Edma se marie, elle arrête la peinture, la pratique artistique de façon professionnelle, et elle devient une artiste ponctuelle, amateur, et avant tout donc une mère de famille et une femme au foyer. Donc cette question de la professionnalisation, on y reviendra. Elle est vraiment importante, et elle m'a permis aussi de continuer à développer cette comparaison, pour vous dire comment j'en suis venue à Marie Bachkessev. C'est aussi donc en contraste en fait avec Morisot, donc, qui n'a jamais pris d'expression publique, qui n'a jamais fait état d'expression publique en faveur des femmes, ou appelé à une plus grande liberté, alors que tout dans son parcours
signale ce qu'elle appelait cette volonté d'indépendance, alors que Bachkirtsev, on le verra, prend position de façon publique et avec force, à la fois dans la presse et dans son journal, qu'elle conçoit très vite, malgré son jeune âge, comme un document public au service de la connaissance de la condition féminine au XIXe siècle. Un aspect intéressant, c'est de voir la façon dont... dont chacune se met en scène à travers des autoportraits. Voici ici un autoportrait qui est donc conservé au musée de Nice, qui date de la fin de la vie de Marie Bachkirtsev. Et voici donc une série d'autoportraits, dont le premier de Berthe Morisot. Le portrait de Marie Bachkirtsev, elle le commente dans son journal, et tout est très très pensé. Elle le décrivait ainsi. Elle disait qu'elle s'était mise en Robespierre, en révolutionnaire, la tête haute et l'air de braver l'univers. Et quand elle écrit, donc elle raconte, donc j'ai mis mon col Robespierre, sans lequel ce n'est jamais vraiment moi. Mais c'est aussi, dit-elle, mon costume d'intérieur et de solitude. Elle ajoute la palette avec cette volonté très forte de s'affirmer comme peintre. Et vous voyez aussi donc à l'arrière-plan une harpe, puisque avant de devenir peintre, elle avait souhaité être cantatrice, et ses problèmes de santé qui... l'empêcheront finalement de mener une carrière musicale. Cette importance de la palette et cette volonté de s'affirmer comme artiste est tout sauf neutre. Vous voyez par exemple que dans les autoportraits d'autres artistes qui sont des contemporaines de Bachkirtsev et qui ont été, c'est pour Louise Breslau, donc une peintre suisse, à la fois une proche de Bachkirtsev et une rivale. Elles ont travaillé, elles se sont connues. Donc vous voyez que ces autoportraits ne mettent pas en scène l'artiste comme une artiste. Et chez Berthe Morisot, la palette est peut-être tout juste suggérée par ces traits de pinceau circulaire, mais on n'est pas tout à fait sûr également d'y lire de façon tout à fait claire une palette. Et cet autoportrait de Berthe Morisot est un autoportrait qu'elle avait toujours caché, qu'elle n'a jamais montré de son vivant, et qui a été sorti par sa fille après sa mort, et qui n'est rentré que très très récemment dans les collections publiques en 1993. Donc une forme à chaque fois de retrait et de discrétion. Et cette volonté donc de s'affirmer comme artiste, elle, chez Bachkirtsev, elle se traduit jusqu'à sa tombe. Je vous montre ici donc au cimetière de Passy son mausolée, qui est assez impressionnant, construit par Émile Bastien Lepage, et qui reconstitue à l'intérieur du mausolée, c'est la photo de droite, l'atelier de Marie Bachkirtsev, avec vraiment cette volonté de se mettre en scène comme une artiste pour la postérité, jusqu'à la mort, avec un tableau, les femmes au tombeau, qui est un tableau inachevé. Et donc Marie Bachkirtsev expliquait dans un article, on nous demande avec, enfin elle expliquait, elle ironisait plus exactement, on nous demande avec une indulgence ironie combien il y a eu de grandes artistes femmes. Eh bien messieurs, il y en a eu, et c'est étonnant, vu les difficultés énormes qu'elles rencontrent. Donc pour vous donner le ton de cet engagement. Donc, je ne vais pas me risquer à articuler donc les origines, la naissance en Ukraine de Bachkirtsev et son féminisme, mais je voudrais quand même relier, donc faire de ces deux aspects le fil rouge de cette conférence, puisque son regard qu'elle porte, le regard qu'elle portera sur la Russie, est marqué aussi par ce même sentiment de révolte, et par une critique de l'autoritarisme, et par une proclamation volonté de liberté. Elle note par exemple en 1880 dans son journal « Français qui dites que vous n'êtes ni heureux ni libre, il se passe en Russie maintenant ce qui se passait en France sous la terreur, un geste, un mot et on est perdu ».
Donc juste une petite incise avant de commencer à me parler du parcours de Marie Bachirsev sur la situation d'Ukraine au XIXe siècle, donc qui est partie hein, pour une partie de l'Empire russe et qui connaît donc à ce moment-là un développement économique absolument remarquable, hein, qui en fait, et ça résonne évidemment avec ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on lit dans la presse, qui devient donc une des principales régions de production du blé, hein, des industries alimentaires, avec le blé, la betterave, le sucre, etc. Et puis qui connaît aussi un très grand essor de l'industrie de l'extraction minière, de l'industrie métallurgique, et qui est donc une région où une partie de l'Empire russe où les investissements étrangers, que ce soit les Français, les Belges, les Allemands, etc., sont très importants et transforment vraiment l'Ukraine en région industrielle qui est la plus importante de l'Empire russe à ce moment-là. Donc, ce qui entraîne un développement des villes, un grand brassage de la population. Et la langue dominante, et ça sera celle de Marie Bachirsev, est la langue et le russe, mais l'ukrainien est parlé dans les campagnes et l'artiste donc parlera les deux langues aussi. J'en ai trouvé trace dans son journal. Donc c'est aussi un moment, la première moitié et la deuxième moitié du XIXe siècle, qui est décisive pour le développement d'une conscience nationale dans l'Ukraine, en tout cas l'Ukraine orientale, et où on assiste à une redécouverte de l'étude du folklore, du langage populaire, de l'histoire du pays, et une partie de l'intelligentsia ukrainienne va aussi participer à ces mouvements d'opposition à l'absolutisme tsariste, qui voilà à partir des années 1870. Alors, Marie Bachirsev, pour ce qu'on peut en lire dans son journal, et je rappelle qu'elle est morte très jeune à 25 ans, donc elle n'a pas non plus forcément la maturité politique. Hein. En tout cas, une conscience politique très forte. Elle ne prend jamais position, en tout cas moi j'en ai pas trouvé trace, elle ne prend pas position en faveur de ces mouvements, au contraire elle est plutôt assez conservatrice d'un point de vue politique, et ces mouvements ouvriers en particulier, ou ces mouvements d'opposition, elle a quelques mots très durs sur ce risque de désordre. Mais elle est également donc assez critique dans son journal de ce qu'elle appelle donc cet absolutisme russe. Alors quels sont les liens de Marie Bachirsev avec l'Ukraine? C'est donc tout d'abord un ancrage familial. Elle est née en 1858 à Gavronzy, à quelques kilomètres de Poltava et à 300 kilomètres à peu près de Kiev, comme vous voyez sur la carte qui a été dressée. Elle est issue d'une famille d'aristocratie provinciale. Alors, elle est née en 1858, mais sur son mausolée, il est écrit 1860, parce que pour la petite histoire, ses parents se sont mariés en 1860, et donc on a changé sa date de naissance pour qu'il ne soit pas su qu'elle était née hors mariage. Mais elle est vraiment née en 1858, ça c'est une petite spécificité. Donc elle passe une toute petite partie de son enfance à Tcherniakovka, qui est donc juste à côté de Gavronzy aussi, qui est le domaine de sa famille maternelle, les Bababines, et de ce domaine donc il ne reste rien, et une stèle a d'ailleurs été installée en mémoire de Marie Bachirsev assez récemment, dans les années 2010. Et elle retournera en Ukraine, et les liens avec l'Ukraine vont se maintenir de deux façons, puisque la famille quitte la Russie en 1870 et commence une vie itinérante à travers l'Europe. Avec une première installation à Vienne, à Baden-Baden, à Genève, où elle reçoit un premier enseignement artistique, et puis surtout à partir de 1870, la famille s'installe dans un endroit très
très connu, enfin, qui devient très fréquenté par les élites russes, donc Nice. Et c'est pour ça donc, que le musée des Beaux-Arts de Nice conserve un tel ensemble d'œuvres de Marie Barskestaff, donc le plus important en France, avant celui d'Orsay, en nombre de peintures, en tout cas. Donc ce goût de la communauté russe pour Nice commence au milieu des années 1850, lorsque la veuve du tsar Nicolas Ier vient s'installer à Nice, et puis ensuite donc tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle, il y a une véritable communauté d'un nombre de familles très très important qui s'installe à Nice, tant et si bien que on compte plus de 600 propriétaires russes à Nice en 1914 et qui construit donc cette église orthodoxe qui reste un chef-d'œuvre important de l'architecture dans la région. Donc cette vie en France reste possible par une organisation familiale assez intéressante et assez typique d'ailleurs de ces familles issues de l'Empire russe. Donc une partie de la famille continue à exploiter le domaine familial, et donc ce sont les revenus de ce domaine agricole qui vont permettre à la famille, à Marie Barskestaff, à sa mère, séparé de son père, de vivre à la fois dans le sud de la France et de voyager à travers l'Europe. La famille va continuer donc à faire des allées et venues jusqu'à la mort de Marie Barskestaff. En fait, ce lien avec l'Ukraine est maintenu par, à la fois, c'est un lien économique et financier, c'est un lien familial, puisque son frère, sa mère, son père, sa belle-sœur, qui est portraiturée ici, un beau portrait qui est conservé au musée d'Amsterdam, donc vont faire des allées et venues entre la France et l'Ukraine. Et Marie Barskestaff va elle-même voyager à trois reprises en Ukraine. Donc les liens qu'elle entretient avec l'Ukraine sont essentiellement des liens familiaux et ensuite donc des liens sur place en France avec la communauté ukrainienne et plus largement russe, puisque là je n'ai pas trouvé de nuances ou de différences dans son journal et donc c'est assez emblématique, c'est un mode de vie assez emblématique de toute cette élite, de toute cette aristocratie de la fin du 19e siècle. C'est à Paris, à partir de 1877, que Marie Barskestaff trouve enfin sa voie. Je vous l'ai dit, donc elle a reçu une formation artistique au long de ses pérégrinations familiales, mais c'est une éducation artistique qui est assez caractéristique de celle que l'on prodigue aux jeunes filles de bonne famille, hein, donc qui combine enseignement du dessin et enseignement de la musique. Et donc la première vocation que Marie Barskestaff avait voulu développer, c'était celle de la musique, et donc elle va se tourner pour des raisons de santé vers la peinture. Comment devient-on peintre lorsqu'on est une jeune femme comme Marie Barskestaff avec certains moyens, mais quand on a l'envie de ne pas pratiquer l'art en amateur, d'en faire vraiment son métier et d'atteindre, elle est obsédée par l'idée d'atteindre la gloire, et donc le but lorsqu'elle décide de devenir artiste et de devenir peintre, c'est vraiment d'avoir du succès et d'entrer, de passer à la postérité. Une des premières étapes, c'est celui de la visite des musées et de la formation au Louvre. Je vous montre quelques œuvres un petit peu plus tardives qui vous montrent donc le Louvre comme cet atelier qu'il était possible de fréquenter pour les jeunes femmes, à une condition, c'était celle d'être accompagnée. Elle écrit d'ailleurs en 1879 « Ce que j'envie, c'est la liberté de se promener tout seul, d'aller, de venir. Vous croyez qu'on profite de ce qu'on voit quand on est accompagné, ou quand pour aller au Louvre, il faut attendre sa voiture, sa demoiselle de compagnie ou sa famille ?»
Et donc on retrouve à l'explicite en fait ce que l'on voit à travers certaines œuvres. Ici, ce sont des femmes entre elles, mais cette idée que donc tous ces artistes qui se sont formés au Louvre, et c'est par exemple au Louvre que Berthe Morisot a rencontré Édouard Manet et Fantin Latour, elles étaient chaperonnées. Donc il faut toujours imaginer cette formation dans un cadre assez contraint, en tout cas pour les jeunes filles de bonne famille. L'endroit où se former quand on vit à Paris, et ça va être un des lieux qui va aimanter donc tous ces artistes, ces apprentis artistes venus d'Europe et des États-Unis, c'est l'Académie Julian, qui est fondée donc par Rodolphe Julian et par celle qui deviendra son épouse, hein, Amélie Borisovel, qui est elle-même artiste, une compétitrice aussi de Marie Barchiksev, qui avait l'esprit de compétition. Cet atelier, en fait, ces ateliers, si je puis dire, parce que ça va se développer tout au long du 19e siècle, vont, si je puis dire, accueillir ceux qui n'avaient pas accès à la formation académique à l'École des Beaux-Arts, en masse, donc les femmes et les étrangers. Il y a aussi des artistes français. L'Académie Julian est célèbre aujourd'hui pour y avoir formé Bonnard, Denis, Vuillard, et pour avoir été à la fin des années 1880 ce lieu d'émergence du mouvement Nabi. Pourquoi l'atelier était-il le seul atelier sérieux pour les femmes, disait Marie Barchiksev en 1877, quand elle rentre chez Julian, elle y passera 7 ans. C'est parce que c'est le seul atelier à l'époque où les femmes ont accès au modèle nu, enfin quasiment nu. Ce qui n'était pas le cas des autres ateliers, et ce qui n'était possible, à ma connaissance, qu'à l'Académie des Beaux-Arts de Philadelphie à la fin des années 1860. Donc cet atelier de jeunes filles est également célèbre pour les maîtres qui enseignent, les grands noms de la peinture que je qualifierais très rapidement d'académique, même s'il faudrait évidemment nuancer, donc Bouguereau, Robert Fleury, dont vous voyez ici un des grands tableaux d'histoire que l'on conserve au musée d'Orsay. Et c'est un atelier donc qui est fréquenté par beaucoup d'artistes femmes, comme Louise Breslau, qui est à la fois femme et suisse, donc qui coche ces deux cases de femmes et d'artistes étrangers qui ont fait la réputation, enfin qui ont fait le succès international de l'Académie Julian. C'est avec une vue, d'ailleurs une représentation de l'atelier des jeunes filles, dit aussi donc l'Académie Julian, que Marie Barchiksev remporte son premier succès au Salon en 1881. Et cette œuvre est certainement, avec le meeting que je vous ai montré du musée d'Orsay, son tableau le plus connu, sans qu'on sache forcément que c'est une œuvre de Marie Barchiksev. C'est une représentation très très rare, hein, d'un atelier de femmes. Donc Marie Barchiksev disait que c'était jamais un atelier de femmes n'avait été fait, bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, on a d'autres représentations, mais elles sont très rares, si bien que ce tableau est constamment reproduit. Et c'est une œuvre qui nous montre à la fois l'atelier tel qu'il fonctionnait avec des amis, hein, des artistes qui étaient, enfin des amis. C'est difficile avec Marie Barchiksev de parler d'amis parce qu'elle est tout le temps dans un esprit de compétition. Donc des peintres en tout cas qui se sont formés à l'Académie Julian, on reconnaît à l'arrière-plan avec le chapeau de paille probablement le modèle Irma, dont je vous ai montré le portrait tout au début de cette conférence. Et donc cette question du nu, de l'accès au nu, qui était vraiment un enjeu crucial, j'y reviendrai rapidement un petit peu plus tard. Vous voyez donc, vous le voyez mis en scène, donc c'est un jeune garçon qui est en partie couvert, mais donc c'est le seul endroit où les femmes qui étaient séparées des hommes, hein, comme vous le voyez, pouvaient travailler d'après le modèle vivant. Et vous voyez au mur de l'atelier ces études d'après le modèle vivant qui sont affichées. Donc les enjeux étaient ceux de la professionnalisation, donc qui passait par la formation et puis par l'exposition, la participation au salon. Et donc Marie Barchiksev fait ses débuts en 1880 avec un tableau assez
assez intéressant pour son sujet, en tout cas, la question du divorce. Donc, on est en pleine discussion sur les lois, des lois qui vont autoriser en 1884 à nouveau le divorce pour les femmes. Et donc, c'est une jeune femme lisant donc la question du divorce, donc un texte d'Alexandre Dumas fils. Il est intéressant qu'elle ait choisi ce sujet, elle-même étant fille de parents qui s'étaient séparés, et elle signe donc ce tableau Marie-Constantin Russe pour mettre l'accent aussi sur ses origines. Donc la façon dont Marie Barchessa va s'inscrire dans ce monde de l'art parisien au cours de cette si brève carrière passe par le naturalisme, qui est le mouvement dominant aujourd'hui, et en particulier elle admire donc Bastien Lepage, qui est vraiment le grand artiste à la mode, hein, qui fait école en Europe et aux États-Unis, et notamment ce tableau, donc ce grand tableau de Jeanne d'Arc, qui a été assez critiqué au salon lorsqu'il est exposé, mais qui fait les délices de Marie Barchessa et qui va lui inspirer toute une série d'œuvres qui font aujourd'hui donc probablement le succès de son œuvre autour de cette question de l'enfance, des enfances que j'ai appelé les enfances vagabondes. Et donc on voit l'artiste ici s'emparer d'un thème qui est traditionnellement celui de qui est très traditionnellement relié à la peinture des femmes, c'est-à-dire le thème de l'enfance auquel elles sont parfois, si je puis dire, limitées. Et Marie Barchessa, dans ce contexte du naturalisme, va donc développer cette imagerie, si je puis dire, de ces enfants perdus. Elle en profite également pour mettre en place une méthode de travail qui l'éloigne du travail de l'atelier et qui font de Marie Barchessa une des artistes qui cherche à travailler en plein air, y compris sur des grands formats. Et on sait que ce tableau, selon son témoignage, a été quasiment réalisé intégralement en plein air. Donc le meeting, qui est le tableau qui la rend, qui est certainement une de ses œuvres les plus célèbres, hein, qui reprend ce thème donc de l'enfance vagabonde, qui n'est pas une critique en fait, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les propos les positions, ou plutôt les impressions que Marie Barchessa notait dans son journal au sujet de la Russie et de l'évolution politique de la Russie et cette émergence d'un sentiment national ukrainien. On retrouve en fait dans sa peinture qui représente des scènes situées en France, ce même regard assez pittoresque, qui n'est pas un regard de critique sociale, mais qui met quand même en scène ces jeunes garçons. Donc il y a aussi une lecture plus féministe qui a pu être faite de cette œuvre, où l'on voit l'attention concentrée sur ces jeunes garçons qui, pour certains, porte une blouse d'écolier, et vous voyez en revanche à l'arrière-plan une petite fille s'éloigner, avec cette idée donc qu'elle est exclue finalement du débat et de cette discussion animée qui agite ces enfants, ces garçons qui eux, malgré leur pauvreté, hein, ont accès à l'éducation. Et donc voilà, il y a toute une lecture féministe qui a été développée de cette œuvre, qui est peut-être à discuter à mon sens. Et puis donc autre œuvre sur ce même thème, un petit peu cette vision naturaliste et un petit peu misérabiliste qui combine donc une forme de réalisme social mais sans condamnation à mon sens, et puis goût du plein air. Barchessa admirait beaucoup Bastien Lepage, et là vous voyez avec ce grand tableau un grand panneau décoratif qu'elle a entrepris à la toute fin de sa vie, donc souhaitant passer une autre dimension à la fois du point de vue de l'ambition du format et de la maîtrise du plein air, hein, qui est évidemment beaucoup plus, qui était
traditionnel dans le cadre d'esquisses peintes de petit format, mais qui devient plus compliqué. Les impressionnistes, c'était Monet dans les années 1860, s'étaient lancé ce même défi, peindre en plein air un tableau de grand format. Et c'est ce que Bachrisseff s'essaie à faire donc à la toute fin de sa vie avec ce qu'elle appelle ce grand panneau décoratif de plus de 2 mètres, le printemps, qui est aussi une citation de Bastien Lepage, à la fois donc, mais une réponse aussi à Bastien Lepage, où ici, par rapport à Jeanne d'Arc, où l'inspiration, si je puis dire, du modèle lui vient d'une forme de transcendance. Ici, elle insiste bien dans son journal sur le rôle de la lumière et de la nature comme moyen de transporter, de susciter l'émotion féminine. Et donc c'est à la fois un hommage à Bastien Lepage et au foin, son très célèbre tableau, et puis une réponse aussi, une critique à Bastien Lepage à travers ce tableau du printemps. Ce qui est intéressant donc avec Marie Bachrisseff, c'est que ces quelques moins de 10 années de peinture se déroulent dans le contexte d'un engagement féministe qui passe à la fois par la forme de domination, enfin de prédominance des sujets féminins dans son œuvre, enfin de représentation de femmes plus exactement dans son œuvre. Qui à la fois donc reflète hein, les limites auxquelles les artistes femmes étaient parfois cantonnées, mais qui dans le cas de Marie Bachrisseff sont aussi des choix. Et en particulier donc cette volonté de traduire ce qu'elle estimait être la spécificité des émotions féminines, et donc ce modèle Irma que l'on retrouve à droite par exemple dans ce triptyque qui est assez intéressant, que j'ai jamais vu autrement qu'en reproduction, et qui est assez intéressant, qui articule à la fois une réflexion, une méditation finalement sur le temps, ce passage du temps, et puis donc qui s'inscrit dans cette tradition donc des têtes d'expression. Et le temps, c'est une des grandes obsessions de Marie Bachrisseff, qui était donc atteinte de tuberculose et qui se sait très tôt condamnée. Et donc ce passage du temps, c'est vraiment, et ce souci de la postérité, de la mémoire, je vais y revenir en conclusion, est vraiment, à mon avis, une traverse son œuvre et sa personnalité, et explique beaucoup de sa personnalité. Donc cet engagement féministe, il va se traduire à travers des positions publiques qui prennent la forme d'articles. Donc je vous ai cité quelques phrases bien senties, si je puis dire, qui étaient extraites de son journal. Mais en 1881, Marie Bachrisseff signe 4 articles dans la revue féministe La Citoyenne, qui est fondée par Hubertine Auclair. Ces articles, le premier est sans doute le plus intéressant. Les 3 autres sont des comptes rendus du salon qui sont intéressants, qui nous renseignent sur le regard qu'elle portait sur ses contemporains. Le premier porte vraiment sur les femmes artistes et sur cette question donc de l'intégration ou de la difficulté pour les femmes à faire carrière. Elle commence son article par cette formule: « Je n'étonnerai personne en disant que les femmes sont exclues d'école des beaux-arts comme elles le sont de presque partout. On les admet pourtant à l'école de médecine, pourquoi pas à l'école des beaux-arts ? Mystère. » Et donc elle va articuler ce court article très, très, très efficace autour de cette question de cruciale de la formation en des termes qui préfigurent, enfin qui sont vraiment ceux, j'étais assez étonnée en préparant cette conférence, de voir à quel point l'argumentation collait à celle d'un article qui a fait date, hein, qui est une référence à mon sens absolue, qui est l'article de Linda Nochlin, « Pourquoi n'y a-t-il pas d'artistes femmes ?» et qui reprend donc cette question que posait Marie Bachrisseff. Vous dites qu'il n'y a pas d'artiste femme, et ce qui est étonnant, c'est qu'il y en ait eu quand même, malgré tous les obstacles. Et donc Marie Bachrisseff explique en fait pose les questions qui seront reprises donc par Linda Nochlin dans les années 1970, grande pionnière donc des women's studies et des gender studies. Elle met en avant déjà le dilemme en fait qui se pose aux femmes
qui effectivement peuvent devenir artistes à l'époque de façon assez traditionnelle, si je puis dire, soit en étant en suivant la voie modeste, qui n'est pas celle que peuvent suivre des femmes comme Marie Bachir-Seff ou comme Berthe Morisot par exemple ou Marie Cassatt, celle de l'industrie en fait, celle de l'art à la frontière de l'artisanat. Et donc pour ces vocations ou ce travail-là, si je puis dire, il y a des écoles de dessin, notamment municipales, etc., qui peuvent former de bonnes artisanes ou des bonnes ouvrières d'art, si je puis dire. Et puis l'autre voie, c'est celle qu'auraient pu suivre Bachir-Seff, Morisot, Cassatt, etc. C'est celle de la peintre amateur qui peint pour elle-même. Et dans ce cadre-là, l'art au féminin, si je puis dire, est tout à fait admise. Et c'est le constat que dresse Bachir-Seff en écrivant « Nous avons des écoles de dessin très suffisantes pour celles qui se destinent à l'industrie, mais nulles au point de vue vraiment artistique, ou bien deux ou trois ateliers à la mode où les jeunes filles riches s'amusent à faire de la peinture. Mais ce qu'il nous faut, c'est la possibilité de travailler comme les hommes et ne pas avoir à exécuter des tours de force pour en arriver à avoir ce que les hommes ont tout simplement. » Et dans cette conquête, elle met en avant la possibilité de dessiner d'après le nu, sans lequel, dit-elle, il n'y a pas d'étude possible. Et c'est ce qu'avait bien montré Linda Nochlin dans cet article fondateur aujourd'hui très, très connu, c'est qu'en fait, était rendu très difficile pour les aspirantes artistes femmes cet accès au nu et qui ouvrait la voie donc de la peinture d'histoire, de la peinture académique, etc. Donc là, de ce qu'on appelait la grande peinture, et donc leur fermer les portes du concours de l'exposition de l'école des Beaux-Arts. Donc c'est forte de cet engagement en fait que Marie Bachir-Seff va exposer en 1884 dans les expositions organisées par l'Union des femmes peintres et sculpteurs, hein, qui est fondée en 1880 à Paris par la sculptrice Hélène Berthaud, dont je vous montre ici un portrait. Et donc c'est la première organisation d'artistes femmes en France. Et là je reviens avant de conclure à Berthe Morisot, qui elle n'a jamais fait ce choix et a toujours refusé, donc a fait le choix de l'indépendance, mais pas de l'indépendance de genre, hein, qui a toujours refusé d'exposer dans des expositions uniquement rassemblant des œuvres de femmes. Ces œuvres se sont retrouvées exposées une fois à New York. Il y avait un cercle équivalent qui avait été créé par des artistes femmes pour exposer des artistes femmes. Et les œuvres de Berthe Morisot ont été montrées une fois, mais c'était après sa mort et sans doute par son marchand Paul Durand-Ruel, donc pas un choix de sa part. Donc c'est intéressant de voir, voilà, c'est la différence comme ça de comparer les deux parcours. Et c'est en 1885, donc un an après la mort de Marie Bachir-Seff, que la seule rétrospective, enfin la grande rétrospective avant celle des années 1990-1995 organisée à Nice, donc la seule rétrospective qui avait été organisée en France était celle organisée par l'Union des femmes peintres et sculpteurs à Paris. Je finirai cette conférence avec cette question de la mémoire qui nous permet de renouer à nouveau ces deux liens, celle de la trace des femmes et celle de l'Ukraine pour boucler la boucle. Je vous ai dit que Marie Bachir-Seff était obsédée par la postérité, peut-être sans doute à cause de son destin personnel et de cette conscience, enfin de cette conscience de savoir condamnée et promise à une courte vie. Et donc cette obsession de laisser une trace, elle est le moteur, elle alimente sa vocation artistique et elle alimente aussi l'écriture de son journal. Très tôt, en fait, elle rédige un journal qui est accessible sur Gallica et qui a été
été réédité, même s'il a été la version accessible sur Gallica est une version tronquée. Elle écrit « Mourir sans avoir rien laissé après moi, mourir comme un chien, comme sont mortes 100 000 femmes dont le nom est à peine gravé sur une tombe. » Et donc ce journal va participer au monument qui est construit autour de Marie Bashkirtseff à sa mort et sur lequel donc je vais terminer cette conférence. Donc monument au sens propre, donc elle est enterrée à Paris au cimetière de Passy. Elle est la cérémonie mortuaire a lieu à l'église orthodoxe russe de la rue Daru, donc montre affiche ses origines donc sont toujours mise en avant évidemment à l'occasion de ces funérailles. Son mausolée, comme je vous l'ai dit, est très très impressionnant et très très fastueux. Donc, il reconstitue à l'intérieur son atelier. Donc, exposition, monument aussi posthume, qui reste la seule vue d'ensemble, même si ce sont des listes de l'ensemble de son œuvre peinte. J'y reviendrai, organisée en 1885. Et puis donc ce journal qui est publié dès 1885. Donc trois ans après sa mort. C'est un journal qu'elle a tenu presque quotidiennement entre 1873 et 1884, pardon, et qu'elle avait donc constitué, elle écrit dès 1876, je lègue mon journal au public. Et cette obsession hein, de la mémoire est partagée par sa famille et par la mère de Marie Bashkirtseff qui vit donc entre l'Ukraine et la France et Nice en particulier. Vous la voyez ici, voyez aussi ici la mère de l'artiste dans la chambre de sa fille qui a été longtemps conservée à Nice comme sous forme d'un mausolée et qui va en fait chercher à assurer la postérité de sa fille en donnant des œuvres. En donnant des œuvres, comme je vous l'ai dit, à certains musées français, donc essentiellement le musée du Luxembourg, qui acquiert en 1884, donc à l'année de la mort de Marie Bashkirtseff, un meeting, et puis donc d'autres dons suivront, au musée du Petit Palais, au musée à Nice, mais également au musée russe, appelé à l'époque Alexandre III de Saint-Pétersbourg en 1908. La mère de Marie Bashkirtseff donne donc plus de 100 œuvres sur les 229 qui ont été cataloguées à l'occasion de l'exposition de 1885. Une grande partie donc de ces œuvres ont été ensuite envoyées donc dans des musées. Je passe, pardon, parce que c'était trop long. Sinon, ont été envoyés donc dans des musées russes et ensuite donc en Ukraine, dans la République soviétique d'Ukraine, où ces œuvres ont été probablement en grande partie détruites. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup à découvrir et beaucoup à apprendre sur Marie Bashkirtseff et notamment vous voyez que cette question du lien avec l'Ukraine pose la question de la mémoire et de la connaissance de son œuvre. Une exposition avait été organisée à Saint-Pétersbourg en 1929 et je vous montre ici des captures d'écran d'un livre que je n'ai pas pu consulter qui est paru en 2016 où des documents inédits montrent donc des accrochages, des vues d'accrochage de cette exposition. Vous reconnaissez certaines œuvres que je vous ai montrées, mais il y a énormément d'œuvres qui ont peut-être disparu d'après nos connaissances à l'occasion des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Quelques œuvres sont encore conservées dans des musées ukrainiens, donc l'atelier de l'Académie Julian, comme vous l'avez vu, d'autres œuvres qui sont donc à Soumy ou à Kharkov. Kharkov qui est une ville à laquelle Marie Bashkirtseff était très, très attachée et dont vous savez aujourd'hui qu'elle est sous les feu de la guerre. Donc plus d'une centaine d'œuvres dont on ignore aujourd'hui le destin et qui empêchent de connaître de façon complète
Cette œuvre resserrée dans le temps, très liée à un contexte international et parisien, mais également détenue en partie en Ukraine. Et donc se pose cette question de la mémoire de l'artiste en Ukraine, et en espérant que la situation actuelle ne va pas contribuer à amoindrir encore cette part de l'héritage et cette part de la mémoire de Marie Bashkirtseff en Ukraine et pour nous tous. Voilà, et j'espère que la prochaine fois, la prochaine conférence sur cet artiste sera donnée par une de nos collègues qui pourra nous apporter, ukrainienne, qui pourra, ou un de nos collègues qui pourra nous apporter des informations complémentaires et inédites. Je vous remercie beaucoup de votre attention.